Chapitre 2. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés, avec l'ordre le plus parfait suivant les trois grandes divisions des minéraux, inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique. Que de fois, au lieu de muser avec les garçons de mon âge, je m'étais plu à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'à l'or, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques, et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstein. Trace, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre ! Quel livre ! » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lidenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus, mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas, mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Evelius. » « Magnifique !» répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil in-quarto dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre, auquel pendait un signet décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Vois, disait-il en se faisant à lui-même demande et réponse. « Et ça c'est beau. Oui, c'est admirable. » Et quelle reliure! Ce livre s'ouvre-t-il facilement? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah! Voilà une reliure dont Bozerian, Klaus ou Purgold eussent été fiers. En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ? » demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour ne pas être fin. « Cet ouvrage !» répondit mon oncle en s'animant. « C'est Heimskringla de Snorre Sturluson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. » C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Vraiment ? M'écriai-je de mon mieux. Et sans doute, c'est une traduction en langue allemande. Bon, riposta vivement le professeur. Une traduction ? Et qu'en ferais-je de la traduction ? Qui se soucie de ta traduction ? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules. Sans compter que la langue islandaise admet les trois genres, comme le grec, et décline les noms propres, comme le latin. Ah, fis-je, un peu ébranlé dans mon indifférence. Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? Des caractères ? Qui te parle de caractères, malheureux Axel ? Il s'agit bien de caractères. Oh, tu prends cela pour un imprimé ? Mais ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. Runique ? Oui. Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? Je m'en garderai bien, répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour-propre.
Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. « Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. » Mais regarde donc, admire donc impie ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme aux rois, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser. Quand un incident vint détourner le cours de la conversation, ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document enfermé depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-il. Et, en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces, large de 3, et sur lequel s'allongeait, en ligne transversale, des caractères de grimoire. En voici le fac-similé exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amenèrent le professeur Lidenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du 19e siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères, puis il dit, en relevant ses lunettes, « C'est du runique. » Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorturleson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? Comme le runique me paraissait être une invention de savant pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais !» murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lidenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parlât couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente, quand 2 heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie !»« Au diable, la soupe !» s'écria mon oncle. « Et celle qui l'a faite, et ceux qui la mangeront !» Marthe s'enfuit, je volais sur ses pas, et sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants, le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant, une soupe au persil, une omelette au jambon relevée d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prune et, pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, en même temps que pour moi. Ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu une chose pareille !» disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock, qui n'est pas à table !» C'est à ne pas le croire. « Cela présage quelque événement grave !» reprenait la vieille servante, hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présageait rien, sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet.